Bienvenue à Libreville, la capitale gabonaise qui est au cœur de l'événement. C'est difficile d'imaginer ce bord de mer, ce boulevard de la Libération vidé de toutes ses voitures et c'est pourtant ainsi que ça va se passer tout le week-end. Il n'y a pas moins de 5 courses au programme en 2 jours, 10 000 participants au total, avec en point d'orgue bien sûr le marathon et sa particularité, le climat tropical et humide. Le parcours n'est pas des plus roulants. Après le départ, ce sera tout de suite la grosse difficulté. Ça grimpe pour rejoindre le rond-point de la démocratie. Retour sur le bord de mer pour le 10e kilomètre avant de prendre la direction de l'aéroport et du stade de l'Amitié. Un petit tour dans le stade, ça signifiera la mi-course et il s'agira de prendre le chemin du retour dans le quartier des ambassades. Au niveau de l'ancien lycée d'État, les coureurs atteindront le cap difficile des 35 km. Il ne restera plus qu'à longer le bord de mer jusqu'à la tribune officielle, une longue ligne droite qui pourra sembler interminable. Nous y voici et le moins que l'on puisse dire, c'est que nombre de Gabonais ont répondu présents pour ce premier marathon sur leur terre. Ils sont 4000 ce matin sur la ligne de départ. Et il n'y a pas que des locaux engagés, il y a des Éthiopiens, des Kenyans, bien sûr, des élites, des spécialistes de la longue distance, hommes et femmes, prêts à en découdre sur le 42 km 195 de bitume gabonais. Ils sont là pour relever ce défi équatorial. Si ces pros sont concentrés, on sent bien que le peuple, lui, déborde d'énergie. Et ce sas de départ, là, semble prêt à craquer. Tout comme d'ailleurs le ciel qui est bien menaçant ce matin sur Libreville. Ah, dans la foule des spectateurs, un supporter VIP, le président gabonais en personne. Il n'a pas raté une miette des événements du week-end et il assiste également au grand départ matinal. Voilà, c'est parti et il est 8h30, pétante. Et quel rythme d'entrée! Certains Gabonais partent comme des furies. Ah, et d'autres semblent prendre le temps de s'arrêter, oui, pour serrer la main de leur président, Ali Bongo Ondimba, qui est tout à fait à son aise au milieu de cette foule. Il a l'air à l'aise et heureux. Il faut dire que d'un point de vue mobilisation populaire, c'est déjà un pari gagné avant même que la course ne soit disputée. Regardez, il n'y a qu'à voir cette file de coureurs encore en train de franchir la ligne de départ pour en être certain. Et ce long cortège passe devant le palais présidentiel sur le bord de mer. Après 3 minutes de course, alors que les derniers sont encore en train de franchir la ligne de départ, l'avant de la course est donc en train d'être reprise en main par les élites. Les audacieux gabonais ont tous été rattrapés. Il faut dire que courir un marathon nécessite une véritable tactique de course. Il ne s'agit pas de partir trop vite. Il y a fort à parier ici que ceux qui se laissent emporter par l'engouement général n'iront pas bien loin. Ils faiblissent d'ailleurs déjà à l'approche du boulevard triomphal, alors que les élites, eux, ont l'habitude et un bon meneur d'allure, ce Kenyan là qui porte le dossard numéro 20, Luka Kanda. Son rôle, c'est d'être le métronome pour les autres. Charge à lui de surveiller la montre et de courir à une cadence juste et régulière. Ses camarades peuvent compter sur son expérience. Hein. Kanda, c'est déjà 3 victoires en marathon à Rome, à Valence et à Nice et toujours autour d'un temps autour de 2h08. Et puis voilà, il y a ce dossard numéro 12, là, au maillot bleu, Philippe Langat, ce Kenyan de 23 ans. C'est le petit nouveau de la troupe. Il court ici son tout premier marathon. Et pour l'instant, il a l'air de rester dans le sillage de Kanda. Et aux côtés aussi de son copain d'entraînement, Peter Curry. Ça doit sans doute le rassurer. En tout cas, ce groupe est en train de faire le trou. Il faut dire que les coureurs sont exactement sur la portion délicate du parcours. Tout comme l'explique Jean-Marie Graal, le mesureur officiel de l'I2AF. Il n'y a qu'une difficulté qui se situe entre le 3e et 5e kilomètre, où là il y a une côte assez sérieuse quand même, puisqu'on passe du niveau de la mer, donc on peut évaluer à 5-6 mètres en fonction de la marée, et le point haut qui est à un peu plus de 50 mètres, donc on a un dénivelé de 45 mètres en très peu de distance, et là c'est difficile, surtout en début de parcours. Oh, une difficulté qui ne semble pas peser bien lourd sur les plus expérimentés. Hein. La fin de cette petite côte, c'est au niveau du rond-point de la démocratie. Mais pour y arriver, il faut d'abord remonter tout le boulevard triomphal, un boulevard envahi des deux côtés de la route. Heureusement qu'il y a de la place. Hein. Les plus ambitieux doivent ainsi pouvoir se trouver un petit chemin pour tenter une remontée de peloton.
Alors que pendant ce temps-là, la tête de la course a certainement bien avancé. Elle doit déjà se trouver dans la redescente des quartiers populaires derrière la prison. Et oui, pour l'élite, c'est ça. Notre Bizu, lui, est un petit peu en retrait, hein, mais désormais épaulé et conseillé par son compatriote Mickaël Kiprop. C'est mon premier marathon. Je suis un débutant. Et avant, il y a deux ans, j'étais à Londres. Je devais courir 32 km. Mais quand j'ai vu ça, j'ai pensé qu'avec l'entraînement, je devais pouvoir finir un marathon. C'est pour ça que je suis venu au Gabon. Pour me tester. Pour voir si je peux courir avec un bon temps. Mais ça, on verra dimanche. Mais l'endroit me plaît, donc ça va beaucoup dépendre de la météo. Parce que là où je m'entraîne, chez moi, il fait froid, très froid. Mais ici, il fait vraiment très chaud. On verra, je vais faire de mon mieux. Ah oui, la chaleur, c'est bien ce qui est le plus redouté ici, hein. La tête de course vient de dépasser le premier épongeage dans le quartier Louis et revient sur le front de mer. Ça signifie qu'ils ont déjà parcouru 7,5 km et ils courent depuis 23 minutes. Pour les autres, c'est seulement l'heure du passage au rond-point de la paix, au kilomètre 5, au premier ravitaillement. Parce que oui, la course du jour est labellisée par la Fédération internationale, l'I2AF. On observe donc les règles officielles, à savoir des ravitaillements tous les 5 km et des points d'épongeage tous les 2,5 km. Et pour ces conditions gabonaises exceptionnelles, de l'eau a quand même été rajoutée sur tous ces points d'épongage parce que les organisateurs veulent vraiment éviter tout risque de déshydratation. Et on voit déjà sur quelques visages des marques de souffrance, hein. Les amateurs en quête d'exploits personnels commencent à mesurer l'ampleur de la tâche qui les attend, c'est sûr. Et la première scission a lieu ici, entre les coureurs de longue distance et ceux qui ont choisi d'assurer seulement 10 km. Ces derniers, là, n'ont plus qu'à redescendre le boulevard Triomphal. Et certains risquent d'être un petit peu surpris parce que normalement, la montée s'effectue d'un seul côté de la route et la descente des coureurs du 10 km sur l'autre. Mais là, vous le voyez, tout le monde se croise. Heureusement que ce boulevard est bien large, hein, ça devrait bien se passer. Alors qu'on ne peut pas vraiment dire la même chose, hein, pour le ciel. Regardez donc ce grain qui arrive. Et ici, quand il pleut, ça plaisante pas. Alors bien sûr, ça peut être rafraîchissant, mais c'est aussi souvent assez violent. Et voilà, on y est. Avec la pluie, les locaux ont l'habitude de ces brusques changements de météo et on voit qu'ils ont leur petit rituel pour se motiver. Ah là là, la meilleure des motivations à l'africaine, ça reste bien sûr la musique et ses rythmes entraînants. Et il faut bien ça hein, pour essayer de faire abstraction de ces cordes qui s'abattent sur la capitale gabonaise. Donc, tous ces coureurs ont bien du courage. Et le public, qui s'est lui aussi risqué à mettre le nez dehors aussi. Hein. Je pense que c'est vraiment bien. Je pense qu'il y a beaucoup de bons coureurs dans cette ville et dans ce pays. C'est un bon événement pour ce pays. Sur le front de mer, le Gabonais Marc Titus Nzog avec son maillot rouge allonge la foulée pour les derniers mètres de cette course de 10 km. Il revient là sur son compatriote Prince Mbina. Ce membre de la garde républicaine pensait sans doute être tranquille, mais vu la foulée de Nzog, il semblerait qu'il n'y ait plus rien à faire. Et oui, effectivement, Marc Titus Nzog va franchir le portique d'arrivée en premier. Il en termine donc en 34 minutes et une poignée de secondes. Nous allons avoir le temps précis dans quelques instants. Voilà, 34 minutes et 29 secondes pour les 10 km. Et cette arche d'arrivée, là qu'il vient de franchir, c'est la même pour tout le monde. C'est donc exactement là, face à la tribune, que près de 3000 enfants ont bouclé hier leur première course officielle. Vous le voyez sur ces images à droite. Chaque catégorie d'âge a eu sa course. 1, 2 ou 3 km, de 6 à 17 ans.
tous ont pu fouler la même route que les pros et avoir eux aussi un temps chronométré comme les grands. Ces courses pour les enfants ont eu un grand succès. Il faut dire que les écoles gabonaises ont beaucoup encouragé les plus jeunes à venir s'impliquer dans cet événement. Et ils se sont tous comportés comme de vrais fondus de course à pied. Même si je pense que certains préfèrent quand même jouer au football. Hein. En tout cas, ils sont tous allés jusqu'au bout, quel que soit leur âge. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient et certains même en repoussant leurs limites pour aller décrocher la fameuse médaille du finisher, la même que celle des grands champions des marathons. Des champions qui donc poursuivent leur route hein, à bonne cadence. Vous voyez à gauche. Luca Kanda emmène toujours les élites à un rythme approchant les 3,15 au kilomètre. Ça fait entre 18 et 19 km heure. On comprend que ce groupe est complètement distancé des amateurs. Hein. Ils arrivent aux abords du stade de l'Amitié, un stade construit il y a 2 ans à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes donc ici à la mi-course pour ces marathoniens, dans la portion la moins urbaine de ce marathon de Libreville. Les premiers à faire la boucle sur le tartan du stade sont l'Éthiopien Solomon Mola, troisième du marathon de Pékin en 2012, ici en maillot noir, derrière le meneur d'allure. Et il est suivi par le Kenyan Peter Kurui avec son maillot jaune. Ça passe très très vite dans ce stade et les écarts commencent à devenir un petit peu sérieux. Alors que sur le front de mer, c'est aussi le moment d'atteindre les 21 km, mais ça signifie une fin de course pour les coureurs du semi-marathon. Pas d'arrivée groupée, le premier, vous le voyez, arrive tout seul, il s'agit de Daniel Obongi. Le Gabonais réalise un temps de 1h, 10 minutes et 4 secondes. Et pendant ce temps-là, la première de la course féminine a très certainement déjà dépassé le stade. Et oui, Milka Jerotich, la Kenyane, court seule depuis le 6e kilomètre. Elle est en forme cette année. Elle a gagné le marathon de Varsovie au mois d'avril en réalisant son record personnel, 2h28 minutes et 23 secondes. Nul doute que la jeune Kenyane a dû être inspirée par son aînée Tegla Lorupe, première athlète africaine à avoir gagné le marathon de New York en 1994 et vainqueur de 5 grands marathons du circuit mondial. Lorupe, justement, est présente à Libreville. Pas sur le marathon, mais pour courir la course appelée la Gabonaise, aux côtés des femmes du pays. Je suis une Gabonaise, je suis une jeune, moi aussi je veux être comme des autres que je vois à la télévision en train de courir au Kenya, en Éthiopie. En fait, j'ai envie d'être comme elles. J'essaie de tenter ma chance, on ne sait jamais. Personnellement, moi je suis asthmatique et j'ai envie de courir pour vaincre mon asthme. Donc, pour tester mes capacités en fait. J'espère que je vais gagner et battre la première dame. Nous voulons que la première dame nous multiplie ces occasions-là parce que nous avons besoin de courir. Nous avons besoin de faire le sport. Regardez comment je grossis. Ah, qu'importe la motivation première, hein, toute bonne Gabonaise se devait de courir ce samedi à Libreville. L'appel lancé par la première dame du Gabon et sa fondation était de venir courir ces 5 km pour défendre le droit des femmes et soutenir la solidarité et la lutte contre le sida. Et près de 2000 Gabonaises ont enfilé baskets, ballerines et autres souliers pour être là. Elles sont venues pour s'amuser, se dépasser, se défouler ou parfois simplement pour la beauté du geste. Sylvia Bongo Ondimba elle-même a donné l'exemple en courant elle aussi. Mon message particulier, c'est de dire aux femmes ici de soutenir la première dame qui est engagée dans ce genre d'événement noble. Demain, il va y avoir beaucoup d'endroits avec différentes manifestations et pas seulement ici. Et puis, le sport, c'est la santé. Et le sport peut aussi apporter beaucoup aux veuves qui se pensent oubliées. Mais quand tout le monde est ensemble avec le sport, ça donne envie d'aller de l'avant, surtout pour un noble événement. Et enfin, le sport éduque aussi les plus jeunes à la solidarité. Tegla Lorupe a détenu le record du monde féminin de marathon pendant plusieurs années. Aujourd'hui, à 40 ans, elle court encore un peu, mais elle est surtout une femme militante de la paix et l'entraide.
C'est d'ailleurs avec toute sa générosité qu'elle a couru les 5 km de la Gabonaise. Elle a encouragé et soutenu la petite Audrey Enzig, pour qui aller au bout était vraiment difficile. La jeune fille était complètement ankylosée, engourdie, presque paralysée par les crampes. Et grâce à l'aide de l'Europé, la Gabonaise a réussi à franchir la ligne d'arrivée. Aujourd'hui, vous courriez en tant que première dame, en tant que Sylvia Bongondimba ou en tant que présidente? Gabonaise. La Gabonaise. Non, et puis je remercie notre championne. Et si on pouvait avoir des marathoniennes au Gabon, ce serait bien. Il faut faire venir Tegla pour faire les entraînements. Oui, elle va me traîner. L'année prochaine, I do the summer marathon. Yes. The next year. Merci. OK? Inch'Allah, comme on dit, si Dieu veut. Revenons donc à notre marathon avec la tête de course qui essuie à son tour les grosses pluies gabonaises. Alors qu'ils abordent le kilomètre 30 dans le secteur des ambassades et de la plage de la Sablière, Kanda, le meneur d'allure, normalement a rempli sa mission et il peut laisser la course entre les mains de Kiptanui et Kurui, les deux seuls Kenyans à avoir gardé le rythme dans sa foulée. Mais apparemment, le groupe reste bien formé. Il semblerait que le meneur d'allure soit décidé à aller au bout, comme s'il n'en avait pas eu assez avec le marathon d'Amsterdam qu'il a terminé il y a un mois, à tout casser. C'est ça, Kanda reste bien dans le rythme avec le groupe. Mais dans la cité des ailes, juste avant le 35e kilomètre, Peter Kurui semble s'envoler. Il est très à l'aise. Pourtant, il n'était pas certain de pouvoir courir à son meilleur niveau dans ce climat avant le départ. Quand tu fais une course dans un climat comme ça, dans cette humidité, c'est vraiment difficile pour toi. Tu ne peux pas savoir ce que tu vas faire, car tu n'as jamais été habitué à ça. Depuis plus de 10 ans que je cours, je peux comparer les courses, la météo de celle-ci. Si je compare la course où j'ai couru en 2h08 et celle-ci, eh bien pour mon chrono de référence, c'était presque l'hiver. C'était à Turin, en Italie. L'hiver est long là-bas et il y fait très froid. Et cette course-ci va être très humide. C'est très différent. Là, je ne peux pas prévoir si je vais courir plus vite ou plus lentement. Peter Kurui ne va pas tarder à trouver des réponses à ces questions. En tout cas, vu d'ici, il a une bonne foulée, une très bonne foulée même. Il n'existe pas encore de grand marathon référence dans cette zone équatoriale. Ce 42 Gabonais ambitionne de le devenir. Mais pour faire une performance, l'idéal, c'est 13 degrés et 25 à 30% d'humidité. Là, nous avons 30 degrés et on avoisine les 90% d'humidité. À défaut de décrocher un record, Kurui va sans doute au moins décrocher la victoire, puisqu'il est désormais seul en tête dans les derniers kilomètres sur le front de mer. Venez sur le bord des routes, nous encourager. C'est une course pour la paix. Il y a des Blancs, des gens qui viennent de l'Éthiopie, du Maroc, d'Érythrée, Kenya, Tanzanie. De partout, c'est une course de l'union et de la paix. Et le bien sympathique Peter Kurui va être servi parce que vous ne le voyez peut-être pas encore, mais ils sont très nombreux, les Gabonais, à se tenir aux abords de l'arrivée pour l'accueillir. Il n'a gagné qu'une seule fois, Kurui, sur la distance mythique de 42 km 195. C'était en juin cette année, en France, à Caen, à l'occasion du Marathon de la Liberté. Et il semblerait qu'il s'approche du même chrono. À Caen, Kurui avait bouclé la distance en 2h14 minutes et 38 secondes, soit environ 6 minutes au-dessus de son record personnel qui, rappelons-le, est de 2h08.56. Verdict ici à Libreville. Il lève les bras, c'est sûr, la victoire est pour lui et il va bientôt connaître son chrono. Voilà, 2h14 minutes 42 secondes. C'est donc désormais la référence pour le marathon du Gabon. Et c'est une deuxième victoire en marathon à mettre à l'actif de Kurui. Le résultat sportif en lui-même n'est pas étonnant. Nos frères kényans, depuis pas mal de décennies, règnent sur la discipline avec nos autres frères éthiopiens. Donc si ce n'est pas l'un, c'est souvent l'autre, avec de temps en temps quelques incursions qui viennent d'Afrique du Nord. Donc ce qui était intéressant, par contre, c'était de voir les temps qui pouvaient être réalisés ici.
Et avec les conditions d'humidité et aussi le fait que nous soyons en saison des pluies, ça n'a pas été chose facile. Donc les temps sont pas mauvais, sont bons. Et la participation est donc très importante et massive. C'est ce qui compte. Un bon événement sportif, il faut beaucoup de participation, il faut la population et il faut en même temps que l'épreuve sportive soit belle avec de bons résultats. Et de bons résultats, il va y en avoir aussi du côté des féminines. La première, c'est elle, Milka Jerotich. La Kenyane, elle n'a donc pas flanché sur la fin de parcours et fait toujours course en solitaire. Elle avance à une moyenne de 16 km/h. À ce rythme, même d'éventuels retardataires du SMI présents sur le front de mer n'auraient guère envie d'essayer de l'accrocher. Jerotich n'a gagné qu'un seul marathon dans sa carrière, c'était justement cette année à Varsovie. Il faisait plutôt autour des 14 degrés, une température plus propice à faire une perf que les 30 degrés actuels de Libreville. Et d'ailleurs, ses meilleures courses, elle les a réalisées dans des contrées à température plutôt modérée, hein, Varsovie, mais aussi Turin, Berlin ou encore Francfort. Aujourd'hui, malgré sa bonne foulée, je pense qu'elle n'atteindra pas son temps record puisqu'elle a déjà dépassé les 2h28 de course. En revanche, elle va pouvoir ajouter un succès à son palmarès, c'est une certitude. Elle en termine à la 9e place du classement général, hommes et femmes confondus, derrière le Kenyan Philippe Langat, qui a donc réussi à aller jusqu'au bout de son premier marathon. Et pour Jerotich, le chrono de référence en pays tropical, ce sera donc 2h34 et 04 secondes. Ça va ? Ça va. C'est dur ? On arrive au bout. Ouais. Ça va aller. Vous allez le tenir ? Il faut. Il est dur celui-là ? C'est le temps. Là, on a eu la pluie. Maintenant, ça cogne. Ah, c'est bien bon. Allez, ça cogne même sévèrement. Il est midi passé et pour les amateurs, on atteint bientôt les 4 heures de course. Quand on arrive à ce ravitaillement-là sur le bord de mer, on doit hésiter franchement entre poursuivre ou aller piquer une tête. Ou effectivement, choisir de faire venir la douche à soi. Courage. Je crois que les gars ont bénéficié de l'avantage du temps. Et c'est maintenant que le soleil est en train de sortir, la météo a été vraiment favorable. Avec l'arrivée du soleil, je crois que ce sera plus difficile. Foulée rasante, jambes lourdes, que ce soit pour des sportifs, des militaires entraînés, des étudiants ou même des cadres d'entreprise passionnés, même s'ils sont bien préparés, on sent que courir semble devenir un supplice. Et pourtant, ceux que vous voyez là ne sont pas les derniers, hein. Et la grande inquiétude pour ce marathon, c'était l'état de santé des coureurs. Un énorme dispositif médical a été mis en place. D'accord. Allez, bonne chance. Ok. Bon, courageux, hein, quand même. Oui, très courageux. Ouais, repartir et finir, tel est le mot d'ordre pour ces passionnés. Et même s'il y a eu beaucoup d'abandons, ça aura surtout été pour des crampes, des douleurs musculaires, une grosse fatigue, mais pas pour des cas graves. Et ils sont nombreux à n'avoir pas abandonné malgré tout. Nombreux hein, à nous faire croire que finalement le Gabon pourrait peut-être être une véritable terre de marathon. C'était fort. On nous avait tout promis, on nous avait dit c'est impossible, il fait trop chaud, il va pleuvoir. C'est vrai, il a plu, c'est vrai qu'il a fait très chaud et vous voyez les temps qu'on a fait aujourd'hui, extraordinaire. Certes, il y avait un petit peu d'humidité, mais voilà, ce sont des gens qui ont l'habitude d'évoluer dans des conditions comme celle-là. Quand je vois le temps de 2h34 pour la première, c'est quelque chose de très honorable, voire un très bon temps. Et puis le premier Kenyan aussi, en moins de 2h15 à 2h14-42, c'était inattendu. Donc on nous avait dit un petit peu tout et son contraire, et il n'y a que le terrain qui compte finalement. Et même avec une longue préparation, une expérience de plusieurs marathons déjà dans les jambes et une acclimatation qui dure depuis des mois, à voir cet amateur à l'arrivée, là on comprend que ce marathon va laisser un souvenir impérissable. De toute façon, je l'avais dit, hein, le marathon commence à partir du 30e kilomètre. Donc je commençais à choper des douleurs un peu, tendinite et tout ça qui revient. Puis j'ai fini comme je peux. J'espérais faire 4 heures, voire un peu moins. Là, je suis à 4h10, voire même 4h15.
Ah, je suis un peu déçu quand même, mais bon. Le profil n'est pas simple. C'est pas simple. Et pour lui, comme pour beaucoup d'autres, en fait, l'essentiel, c'était de pouvoir dire « J'étais à la première, je l'ai fait, je l'ai terminé ». Il ne reste qu'à revenir l'année prochaine et c'est valable également pour les élites qui ont désormais des chronos et une expérience de référence ici à Libreville. 2h14.42 pour les hommes, 2h34.04 pour les femmes et donc un rendez-vous équatorial pris pour 2014.